Parce que je vous assure que cette histoire d'égalité de hommes et femmes là, crée une situation. Si on le sent ça, tu as vu Madame Owe comment elle s'est levée. S'il vous plaît, ne faites pas ça. On a tant lutté pour nos droits. Mais quel droit en avez-vous? Madame Owe, quel droit vous parlez? Elle était quasiment là. Moi, je voudrais savoir, est-ce que les femmes n'ont pas le droit? Elle était quasiment là. Ne faites pas ça, on a tant lutté. Hommes, femmes, l'égalité des sexes. Celui qui veut se marier au civil doit d'abord. Ça me débat. Cette fois-ci, j'ai pas Marinette, tu veux m'appeler à dire que je suis en face de toi? Non, tu m'appelles, je suis là. Bon. Allô? C'est une catastrophe. Donc. Moi, je trouve que c'est une catastrophe. Non. C'est pas une catastrophe? Non, parfait. Nos grands-parents n'ont pas dit que c'est une catastrophe? Mais. Parfait, a raison. Nous sommes. Je vais poser une question. Qu'est-ce en fait? Non? Il y a comme moi, monsieur Bédou qui me soutenait. Monsieur Bédou, vous êtes d'accord? Non, il n'est pas d'accord, il me soutenait. Il n'est pas d'accord. Ah, donc il vous soutient, il n'est pas là. Il a dit, l'homme et la femme sont égaux. Ah, j'ai dit, je mets son avis. Donc ça voudrait dire que la femme gabonaise qu'on doit voir, elle va venir dire, oh, je ne suis pas dotée. Hein. Merci, je donc on a supprimé la note. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas ce que j'ai dit. Donc toi, tu vas te balader en disant, je ne suis pas dotée. Hein. Non, c'est pas ça. Je suis pour la note. D'accord, mais je ne suis pas pour que la femme elle soit remboursée. Ce n'est pas une caution, bon sens. Ce n'est pas un achat. Mais c'est une valorisation de la femme. On la valorise. Et alors? Donc tu veux qu'on te prenne cadeau? On va te prendre cadeau. Quand elle est maltraitée. Pas moi cadeau. Les femmes pas sont maltraitées forcément. En général, quand une femme part, c'est comme qu'elle son rôle. Et c'est souvent. Ouais. Non mais vraiment, la femme, arrête de lui mettre la pression. Quand une femme aime un homme, elle est prête. Arrête d'influencer. Quand une femme décide de quitter un ménage, je t'assure, elle en peut plus. Elle va aller où? Après six enfants avec son père. La femme s'est supportée. Oh, mais c'est mieux. Mais elle va aller où? Qu'elle quitte. Mais elle va ailleurs. Elle retourne. Donc nous, on est spécialistes. Sa valeur. Ben elle a 60 ans. Sa valeur. Il n'y a pas d'âge en amour. Il n'y a pas d'âge. En tout cas, nous, on est chez celles qui ont 22 ans. Tu es mauvais. Je dis, tu veux partir, tu as 60 ans. Le pire, ça a été quand il veut le réduire dans le code civil, l'homme est le chef de famille. Mais oui. Alors là, ça, ça par contre, j'étais d'accord. Il faut restituer ça. L'homme est le chef de famille. L'homme est le chef de famille. Mais oui, justement, mais qu'est-ce que ça change? Puisque la réalité, c'est qu'il en faut pour rejoindre. Mais non, moi, écoutez, vous savez. Comme a dit Madame Morel, elle a 36 ans. Elle a 36 ans de mariage. On le fait conjointement. Qu'est-ce que ça change que ce soit écrit chef ou pas? Dans une relation, pas écrit chef. C'est pas un rapport hiérarchique. En fait, on n'a même pas besoin chef de dire que là. Chef signifie commandement, déjà. Là, on a pas besoin. Dans un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine. Très bien. Est-ce qu'il peut y avoir deux chefs? Il n'y a pas de chef dans un couple. Le terme chef fait quoi dans une relation amoureuse? Il n'y a pas de chef. En fait, vous êtes sur les thèmes, vous êtes sur les mots. C'est pas adapté, oui. Mais nous, les mots sont importants. Mais oui. Moi, je reviens toujours sur l'impact au sein de la société. Oui, c'est vous. Au sein de la société, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la cellule familiale est déjà closée. On n'arrive plus à contrôler, on n'arrive plus à suivre nos enfants à cause de ce phénomène de mère, ça s'appelle ça comment? Mère célibataire. Toutes les femmes veulent prendre le commandement au sein d'une famille. Toutes les femmes veulent. C'est devenu. Bon, vous voulez être chef? Maman, vous voulez être chef? Restez chef. Comment la femme va prendre le commandement? Mais justement. Je prends un exemple. Un homme, s'il n'a pas de moyens, ce n'est pas un homme. Dès qu'il a des moyens, c'est un homme. On fait comment? Mais là, ce n'est pas à cause des femmes, c'est un problème dans la société. C'est la société qui fait ça. Il faut changer la société. La société n'a rien à voir avec la femme. Yannick, pourquoi tu nous filmes? Yannick. On est censé avoir ces débats là en offre. Oui, c'est secret. C'est déjà en live. Et il est en live. Mais il est en live en plus. Il est en live depuis. Il est en live depuis. Non, il faut supprimer le live. Ah bon? Oui, on est en train de manger et tu le prends en live. La dernière fois, j'ai vu, j'avais carrément le dialogue. Encore, oui, ils ne sont pas encore au dialogue. Il faut manger propre. Ils ne sont pas encore au dialogue. Les débats sont secrets. Quel débat? On n'est pas dans les débats, on est en train de discuter en prenant un petit déjeuner
sur les opinions qu'on a, et moi j'assume pleinement que j'ai le droit de filmer mes compatriotes. C'est le Gabon, le mec qu'on veut changer. Attends un instant, sur le débat, tu assumes quoi exactement? Ouais. Alors sur le débat, alors vous posez la question. Oui, qu'est-ce que tu assumes? Vous posez la question. Moi j'ai été élevé par ma mère. Et donc? Quand vous voyez le résultat, vous êtes déçu ou bien vous êtes satisfait? On arrête. Et donc? Non, ça veut dire quoi? Concrètement. 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 Ça veut dire quoi? J'ai remarqué qu'il n'a pas dit ce qu'il pense. Oui. Justement. Concrètement. Dis-nous ce que tu penses. J'ai remarqué qu'il n'a pas dit ce que tu penses. Qu'en penses-tu? C'est quoi la question? Énervé, mais pas dit ce que tu pouvez-vous répéter la question? Je m'énervais, il se foutait de ma gueule. Pouvez-vous répéter la question? Est-ce que l'homme ouais. le commandement de ça? Pas le mot, est-ce que réellement. La femme, c'est après. Hein? Tu ne vas pas le débat. Est-ce que. Chef, en réalité, tu as vu que c'est moi qui préfère, non? Alors, est-ce que l'homme. Le thème réellement est important quand tu vas répondre. Est-ce que. Donc, je vais répondre à la question parce que si je ne réponds pas, on va penser que. Oui, je l'esquive. Alors, est-ce que l'homme a le commandement réel, réel dans une vie, dans une vie, bien sûr. Donc je ne peux pas répondre à ma question. Non. Non. Si vous ne voulez pas que je réponde, je répondrai pas. Je dois répondre ou pas? Est-ce que l'homme a le commandement réel dans une relation? Donc dans votre question, on voit qu'il y a l'homme. Commandement réel. Est-ce que je peux répondre? C'est bon. Là, on a compris. Donc, je vais maintenant répondre. L'homme et la femme sont. Déjà, est-ce que les deux. Ah, attends, il va finir. Est-ce que je peux répondre? Réponds. Est-ce que je peux mettre des idées en place dans ma tête pour répondre? Mais je ne répondrai pas. Voilà, c'est ça du tout. Je ne répondrai pas parce que je garde mes opinions pour moi. Je vous dirais juste, mesdames, que j'ai été élevé par une femme forte. Qui a fait de moi un homme fort. Merci. Voilà, j'ai fini. On n'est pas.